Bonjour à tous, Mazel Tov, parce que nous allons parler de la période des fiançailles, qui est, on va dire, le plus merveilleux lien qui est en train de se créer. Vous savez que l'amour entre un homme et une femme est la, on va dire, la plus belle chose qu'il puisse y avoir dans le monde. Cet amour, cette ahava, pas seulement à une ahava goufanite, hein, l'amour du corps de l'autre, mais surtout l'amour de l'âme, de la neshama de l'autre. Alors cette chose qui est si merveilleuse, qui est en train de se réaliser maintenant dans la période des fiançailles, il y a une période, c'est justement cette période, il faut bien la vivre et surtout bien utiliser le temps qui nous est imparti pendant cette période-là. Alors la question qu'on doit poser pendant cette période, c'est comment réussir sa vie de couple. Le Shalom Bayit en question. Alors vous savez, quand on parle de Shalom Bayit, quand on parle de réussir sa vie, c'est d'abord réussir sa vie familiale, sa vie privée. La vie professionnelle vient naturellement en second dans la pyramide des valeurs, de l'échelle des valeurs. En tout en haut de la pyramide de l'échelle des valeurs, nous avons d'abord le Shalom Bayit, la construction avec sa femme, la construction de sa famille. En deuxième temps vient la carrière, les Inyanim de Parnassa. Alors quel est le conseil que l'on pourrait vous donner pour réussir justement sa vie de couple, pour réussir son Shalom Bayit? Bien, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est la préparation. La préparation au mariage, savoir qu'est-ce qui nous attend, comprendre pour un garçon ce qu'est une femme, et pour une jeune fille, comprendre ce qu'est un homme, ça prend énormément de temps avant de comprendre la psychologie de l'un ou de l'autre. Et lorsqu'on est bien préparé, c'est la meilleure garantie de réussite, justement pour le futur du couple. Alors, vous savez, je vais vous dire, le fait de se marier, à part pour ceux qui n'ont pas encore trouvé pensent que c'est un très grand problème. C'est vrai que c'est un problème de trouver son zivoug. Mais imaginons maintenant que vous ayez passé ce cap, puisque maintenant on en est à la période des fiançailles. Se marier, en fin de compte, c'est pas un problème. Qu'est-ce que j'entends par là ? Louer une salle, par exemple, prendre un très bon traiteur, envoyer des cartons d'invitation, prendre un excellent orchestre. Là-dessus, ce n'est pas vraiment un gros problème de savoir organiser un mariage. La vraie complication, c'est de se marier et de rester marié. Là commencent les véritables problèmes, et ça veut dire que c'est après le mariage que commence le vrai problème. Comment on va faire pour étoffer sa vie maritale, sa vie conjugale, construire son foyer, comment que ça va se passer? Donc ça veut dire que la question qu'on est en train de poser maintenant, comment arriver à vivre en shalom avec celui ou celle qu'on a choisi? Alors je vais vous dire, c'est un problème qui n'est pas mince du tout, et malheureusement il y a très peu de gens qui réussissent dans le domaine du shalom bayit. C'est quelque chose qui est très difficile, les problèmes de shalom bayit sont très nombreux, et dans les problèmes de shalom bayit, il y a essentiellement le problème de communication. Les gens n'arrivent pas à communiquer, chacun pense certaines choses dans son esprit, ils n'arrivent pas à les formuler, ils n'arrivent pas à les dire au conjoint, et ça crée d'énormes problèmes conflictuels entre les deux. Et lorsqu'il y a un problème de communication, ça entraîne aussi un sentiment d'incompréhension. Et ce qui fait qu'on en arrive à la fin à ce qu'il y ait deux êtres qui, a priori, avaient tout pour réussir leur vie ensemble, qui finissent par vivre sous le même toit, mais en étant deux êtres indépendants. Or, vous savez, il y a une définition en mathématiques dans le judaïsme, que lorsqu'on fait un calcul de 1 plus 1, chez nous, ça fait 1, ça ne fait pas 2. Le but, lorsqu'un homme et une femme se marient ensemble, c'est pour arriver à faire 1. Et lorsqu'il y a ce sentiment d'incompréhension, bien, il y a une forme de séparation qui va se réaliser entre l'homme et la femme, et qui font qu'en fin de compte, ils vont vivre ces deux entités qui vont vivre sous le même toit, mais qui n'ont plus rien à voir ensemble. Et ce qui va justement entraîner qu'il y a un taux de divorce énorme actuellement. Donc aujourd'hui, lorsqu'on dit « on se marie pour rester marié », ce n'est pas une gageure, ce n'est pas une blague, c'est quelque chose qu'on le vit tous les jours, c'est très difficile. Se marier, c'est très bien, mais il faut absolument rester marié, et ça va demander d'énormes efforts. Quand on veut fonder un foyer juif,
qui se respectent, ou même s'il y a des non-juifs qui nous écoutent aussi, fonder un foyer, ça demande beaucoup, beaucoup d'investissement, beaucoup d'efforts. Et il faut savoir que ce lien qu'on est en train de tisser maintenant, c'est pour 120 ans. Il y aura de très nombreuses années où le couple, normalement, est censé vivre ensemble. Ils vont avoir des enfants, ils vont les faire grandir, ils vont les éduquer. Il va y avoir beaucoup de choses en commun qui vont se réaliser. S'il n'y a pas de communication, s'il n'y a pas de sentiment de compréhension, bien tout ce qui va suivre va partir aussi dans tous les sens. Les enfants qui vont naître vont sentir l'animosité qu'il y a entre le père et la mère. Lorsque le père va donner un ordre ou un conseil ou une directive et qu'il va être contredit par sa femme devant les enfants, ça va créer d'énormes problèmes, non seulement de Shalom Bayit, mais au niveau aussi éducationnel. Alors vous allez me dire, alors qu'est-ce qui nous reste à faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour réussir son Shalom Bayit? Alors je vais vous dire ce qu'il faut faire, et je vais vous dire le vrai conseil. Le vrai conseil, c'est qu'il doit y avoir une étude intensive et profonde du sujet. On ne peut pas concevoir d'arriver sous la choupa si on n'a pas étudié qu'est-ce que c'est que le mariage, si on n'a pas étudié qu'est-ce que c'est qu'un homme si c'est une jeune fille, et si on n'a pas étudié ce qu'est une femme si on est un homme. Ça veut dire que cette étude, elle doit être fondamentale dans l'esprit des jeunes mariés. On ne peut pas concevoir de se marier si on n'a pas étudié c'est quoi le mariage. Je ne parle pas seulement au niveau des lois, de Tarat HaMishpacha, de pureté familiale, qui sont aussi fondamentales pour la réussite du Shalom Bayit. Je parle simplement de savoir ce qu'est le mariage, qu'est-ce qui nous attend et comment on doit s'y préparer. Cette étude, elle est fondamentale dans les textes. Par exemple, ce que l'on fait maintenant lorsqu'on fait toute une série de vidéos sur le sujet du mariage, c'est une forme d'étude. Ce que je vous dis maintenant, c'est que moi-même, je l'ai étudié, je l'ai intériorisé en moi-même, et pour essayer de vous le redonner aujourd'hui en tant que sous forme de cours vidéo. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des livres, par exemple, vous avez le livre du Rav Simcha Cook, vous avez le livre du Rav Arouch, vous avez beaucoup de livres qui ont été écrits sur le domaine du Shalom Bayit et de la réussite de l'entente conjugale et maritale. Il est impératif que chacun de vous, autant chez les garçons que chez les filles, se mette à étudier le sujet d'une manière très profonde et très intensive. La deuxième chose, c'est naturellement, il faut ce qu'on appelle la siyata dishmaya. Ça veut dire, il faut une très grande aide du ciel pour réussir son mariage. Ça veut dire que la tefila doit être une partie intrinsèque de votre défi, justement ce défi de réussir sa vie. Il faut absolument arriver à développer la tefila et supplier Hachem qui nous fasse réussir dans le domaine du Shalom Bayit. Alors vous savez, dans tous les domaines, chaque domaine, on va dire profane par exemple, demande une certaine compétence. Par exemple, un ingénieur en informatique, en électronique, avant de devenir ingénieur, d'avoir son diplôme, il a dû étudier pendant pas mal d'années. Non seulement il a dû étudier, mais il a dû passer des examens. Quand il a passé des examens, on lui a demandé maintenant de prouver son domaine de compétence lorsqu'il va maintenant obtenir un job. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas espérer réussir dans un domaine si on n'a pas la compétence en la matière. Je vous donne un exemple. Par exemple, quelqu'un veut passer le permis de conduire. Vous savez qu'on ne peut pas utiliser une voiture et réussir à la conduire, à la maîtriser, si on n'a pas eu un moniteur à côté de nous, un maître, entre guillemets, et que ce maître nous apprenne comment freiner, comment accélérer, le coup d'œil latéral, gauche, droite, pour le rétroviseur au milieu, pour voir s'il n'y a pas de voiture. Parce que chaque faux pas, chaque manque d'attention peut être catastrophique, voire nous amener très très loin. Donc c'est la raison pour laquelle que lorsqu'on apprend à conduire, il est nécessaire d'avoir un maître, il est nécessaire de faire des heures de conduite, d'apprendre la voiture, le fonctionnement de la voiture, le fonctionnement du passage des vitesses, des freins, etc. On ne peut pas passer outre. Et si un homme n'apprend pas à conduire, l'orlénou, ça peut devenir une catastrophe pour lui. Comment est-il possible que dans le domaine du mariage, un dossier qui soit si important, tellement important, qui a tellement de répercussions sur la vie de tous les jours, au niveau des enfants, au niveau de son couple, et qu'on n'en apprenne pas les obligations, c'est quelque chose qui paraît incroyable. Comment on pourrait autoriser un couple à se marier s'ils n'ont pas fait auparavant ce qu'on appelle une achana, une préparation psychologique, mentale, spirituelle, à tous les points de vue? Si cette préparation n'a pas été faite comme il faut avant le mariage, en général, ça se paye très cher après le mariage. C'est la raison pour laquelle la période des fiançailles est une période qui est
fondamental, qui est primordial dans l'apprentissage de l'autre, dans l'apprentissage des valeurs du mariage. Et je vais vous dire en vérité, même s'il n'y avait pas, même s'il y avait, s'il y avait pas de loi qui était ainsi, qu'on devait apprendre, il n'y a pas une loi, il n'y a pas quelque chose qui nous oblige à apprendre ce qu'est le mariage. Mais en vérité, tout le monde devrait comprendre l'obligation que nous avons justement d'apprendre le sujet. Même s'il n'y a pas de loi qui nous y oblige, aujourd'hui les choses vont tellement vite, ça a tellement bougé, tellement changé, et le taux de divorce est tellement important, chose que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu. C'est-à-dire jusqu'à à peu près il y a une cinquantaine d'années, les gens avaient honte de divorcer. Aujourd'hui, presque on en rigole. Presque on a perdu pratiquement la valeur du mariage. Et vous savez, lorsque on va se marier, il y a un principe que Hakol Olech Lefi Ha'atrala. Ça veut dire que tout va selon le début. Comment on a fixé les bases, comment on a fixé les choses, comment on a commencé notre vie maritale, bien, tout va se baser par rapport à ça. C'est ce qu'on appelle la première année du mariage. Le rabbi de Koksk disait la chose suivante, il disait « Le mariage est une très grande chose. Dommage que ça a été donné à des jeunes enfants. » Qu'est-ce qu'il a voulu dire, le rabbi de Cox? En fin de compte, il a voulu dire que le mariage est tellement important, mais on ne sait pas lui donner sa véritable valeur. C'est-à-dire que si on était conscient de la valeur du mariage, on y investirait beaucoup plus d'efforts à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'avant d'arriver à la roupa, il est impératif de savoir sur quoi mettre l'accent. Donc je répète cette première leçon que nous avons fait maintenant, qui est post-mariage, la période des fiançailles. Il faut l'utiliser non pas seulement pour sortir avec son futur ou sa future conjointe, mais il faut l'utiliser pour apprendre qui est ce futur conjoint ou conjointe. Qu'est-ce qu'on va me demander après le mariage? Comment il faut s'y préparer? Quelle doit être l'aptitude psychologique, spirituelle? Comment je dois me confronter à tout ça? Je vous répète encore, il faut écouter les cours tels que nous le faisons maintenant et lire des livres en la matière jusqu'à ce que la chose nous devienne sienne, qu'on apprenne complètement quelles sont les vraies valeurs du mariage et s'y préparer et surtout réussir par la suite son shalom bayit et la construction de son futur foyer. Donc je répète les besoins essentiels donc pendant la période des fiançailles. Je pense que dans toutes les communautés où il doit y avoir ce genre de personnes, c'est ce qu'on appelle des madrichim. Des madrichim, ça veut dire que ce sont des formateurs pour les chatanim, pour les kalotes. Et cette période de formation, bien, avec le madrir, ça va être bien, bien facilité. À part les livres, comme on en a parlé un peu tout à l'heure, comme du Rav Arouche ou du Rav Simcha Kouk, ou beaucoup de livres qui ont été écrits sur le domaine du Shalom Bayit et qui permettent de se préparer psychologiquement et spirituellement à la chose, je pense que le fait d'avoir affaire à un madrir pour un khatan et une madricha, donc une formatrice pour une kala, ils vont leur apprendre les choses suivantes. D'abord, c'est tout le domaine de la Tarata Mishpacha, donc c'est-à-dire la pureté familiale. Vous savez qu'il est impératif que le couple, s'il veut réussir sa vie de couple, il y a une période dans laquelle la femme a justement ses périodes, ses règles, et donc tout contact doit être complètement évité. Donc tous ces genres de lois, il faut les apprendre, elles sont très compliquées, elles demandent énormément d'investissement, de connaissances, même si effectivement il y a eu beaucoup de livres qui ont voulu résumer la chose, mais il est impératif que quelqu'un nous transmette cette information. Donc le rôle du madrir au niveau du Khatan va lui apprendre déjà les lois donc de Nida, de pureté familiale, mais va lui apprendre aussi c'est quoi une femme, comment elle réagit, comment elle pense, quelles sont, parce que c'est quoi le mariage, c'est on va gérer des humeurs. Et il faut connaître l'humeur d'une femme pour arriver à vivre avec elle. La Gemara nous dit la chose suivante. Nashim am bifne atzman hen. Les femmes sont un peuple à part. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas que ce sont des Anglais et puis des Allemands qui doivent s'adapter ensemble. Non. La femme est un peuple à part. Ça veut dire qu'elle n'a rien à voir avec la constitution biologique, physique, psychologique, physiologique d'un homme. Ça n'a aucun rapport. Les réactions, les humeurs, les sentiments, le vécu est complètement différent. Pourquoi? Parce que d'abord, une femme, elle a des règles. Elle a, donc ces règles-là lui entraînent un changement dans son système nerveux, dans ses réactions. Et c'est quelqu'un qui n'est pas préparé à tout ça va au-devant de grands problèmes. Parce que le jour où, par exemple, les règles d'une femme apparaissent et qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'elle est nerveuse, elle a des mots durs, etc. Et lui, il va prendre ça au premier degré, il va s'énerver avec elle, il va perdre tout son shalom bayit. Alors que s'il avait appris
justement ce genre de choses avec un madrikh khatan qui lui aurait expliqué le fonctionnement physiologique, spirituel et de la femme, ben, il aurait réagi complètement différemment. De la même manière aussi, une jeune fille, si elle apprenait ce que c'était un homme, comment il fonctionne, son système de pensée, de cette mécanique qui se met en route dès qu'il voit une chose qui n'est pas tzniout, qui n'est pas pudique chez une femme, chez une autre femme que sa femme par exemple, elle ne comprendra pas, elle n'arrivera pas à analyser la chose. Donc elle a besoin qu'une femme expérimentée en la matière, qui connaisse les lois de Nida bien naturellement pour lui expliquer le phénomène de cyclique, comment elle doit fixer son jour du mikvé par exemple, mais pas seulement au niveau des lois, au niveau qu'est-ce que c'est qu'un homme, comment il fonctionne, comment il réagit, comment il vit, quelles sont ses pensées. Si ces choses-là ont été faites par le biais d'un madrikh ou d'une madrikha pour la kala, il y a énormément de chances pour que le couple roule sur des rails et que ça aille très bien. S'il n'y a pas eu cette formation par le biais de quelqu'un de compétent en la matière, ou un madrikh ou un rav ou une rabbanite, peu importe, mais quelqu'un qui s'y connaisse en la matière et qui puisse les former, s'il y a eu cette formation, en général c'est 90% de la réussite qui est assurée. S'il n'y a pas eu cette formation, il y a 90% de chances qu'il n'y ait aucune réussite dans le couple. Comme ça au moins les choses sont claires. Voilà, je vous souhaite une très bonne période de fiançailles, que Bezrat Hashem en arrive très bientôt au jour de votre roupa et que vous soyez prêts pour la roupa et tout ce que ça entraîne. À très bientôt et encore une fois, Mazel Tov.